C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Michel Grossian qui est avec nous ce matin. Oui, mon ami Julie, bonjour chère Caroline, Natacha, bonjour. Natacha, oui, il faut le dire, chers auditeurs, c'est notre lune rousse de la rédaction. Avec elle, jamais d'éclipse, elle est toujours là avec l'expression « comme la lune, oui, avec elle, cette expression ne veut plus rien dire. Thomas, Laurent, Jean-Marc Morandini, Jean-Marc, il peut avoir, vous le savez, Nadine Morano, en ligne d'une minute à l'autre. C'est exactement ça. Rassurez-nous, elle est passée par le standard, elle n'a pas votre 06. Non, je ne lui ai pas donné. D'accord, bon, on peut le donner à l'antenne, ça simplifiera les choses. 06 09 22 72, et le complémentaire, Julie le donnera. Michel, mais tu es malade. Allez, c'est parti pour les titres. On y va, on vous écoute, Michel. Il est vert. Hein. C'est le numéro vert. Non. Liquide, on a trouvé des traces de liquide sur la planète Mars. On a aussi trouvé des traces de liquide dans les poches de Claude Guéant. Mais on n'a pas eu besoin de chercher trop longtemps, en tout cas bien moins longtemps que sur Mars. Pas mal. Belle journée, des contrôles au hasard pour repérer des chômeurs qui ne rechercheraient pas activement un emploi. Oui, oui. Et des contrôles également au hasard pour repérer les voitures qui polluent. Donc si vous êtes chômeur et propriétaire de Volkswagen, vous n'êtes pas à l'abri de passer une journée de merde. À propos du contrôle des chômeurs, il ne faudra pas oublier d'appeler Claire Chazal et Arnaud Clément. Ça fait déjà 10 jours qu'ils se la coulent douce. Retour des revenants sur Canal+. Attention, nous parlons bien sûr de la super série de Canal, pas des spectateurs du Grand Journal qui, eux, ne sont toujours pas revenus. Oh là là. Oui, ça fracasse un petit peu ce matin. Rumeur politique, Laurent Fabius pourrait quitter le gouvernement à la fin de l'année pour entrer au Conseil constitutionnel et serait ainsi remplacé au Quai d'Orsay par Hubert Védrine. Et voilà, Martine Aubry va être folle de rage, nous en sommes sûrs. François Hollande et Manuel Valls donnent une nouvelle fois raison à Emmanuel Macron. Hein ? Ah si, pour remplacer Fabius, ils vont prendre un Uber. Ah, oh là là, oh, pas mal. On va chercher loin. Uber, oui, d'accord. Martine Aubry, puisqu'on est dessus. Ça, c'est élégant, hein, vraiment. Donc, le sujet de Martine Aubry, allons. Selon la presse, elle rêverait d'être ministre de la Culture. Manuel Valls aurait donc le choix entre Fleur Pellerin et Martine Aubry. Petit hommage donc à Brassens, il aura le choix entre une jolie fleur et une peau de vache. Martine Aubry toujours, elle a de grandes chances de décrocher le poste de ministre de la Culture. Son bilan parle pour elle. Cette année, Martine Aubry a lu 5 fois plus de livres que Fleur Pellerin. C'est-à-dire, elle en a lu... Elle en a lu 5 en fait. On ne s'en remet toujours pas. 60%, 69 exactement, 69% des Français pensent que les dieux du stade, le calendrier, est allé trop loin cette année. Ouais. Et c'est vrai, confirme Jean-Marc. L'appendice de Sylvain Potard apparaît au mois de septembre et se prolonge jusqu'à octobre, novembre, décembre. Il faut tourner la page jusqu'à janvier pour en voir le bout. Oh non, c'est voilà, maintenant vous pouvez enchaîner avec beaucoup d'élégance sur Julie, comme vous savez toujours le faire. Bon, disons, sans transition, on va parler télé, d'accord. Avec ce documentaire consacré aux coulisses de l'Élysée, qui a été très commenté hier soir sur France 3. À l'Élysée, un temps de président, c'était le titre. Lâchez-moi ce président, franchement. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. On imagine que vous avez regardé, hein, comment vous qualifieriez ce documentaire? Ce documentaire, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était très intéressant. Oui, c'est un nouvel adjectif, intéressant. Oh, mais si on doit le comparer à notre émission, M. Morandini confirmera, c'était pas loin de Confessions Intimes. Hein. Je me posais même la question, M. Soto, qu'on se pose tous devant Confessions Intimes, mais pourquoi qu'ils disent oui pour passer pour des cons à la télé? Pourquoi qu'ils signent la feuille, le papier, en disant « je veux bien que ça soit diffusé », je comprends pas. Vous trouvez que ça donne une mauvaise image de François Hollande et de son gouvernement, M. Sarkozy? Mais forcément, tous les gens qui regardent, enfin je pense, surtout concernant la culture, moi qui suis un homme de culture, Mme Polonier,
confirmeront. Où qu'elle va ma culture. Vous avez vu la fleur pèlerin toute paumée et les deux autres clowns, Valls et Hollande, qui lui disent « Demande à Jack et Monique hein, comment qu'il faut faire ?» On dirait qu'elle demande une recette de quiche Lorraine. Hein. Demande aux voisins, Jack et Monique, ils font des super quiches. Mais je pose la question, où qu'en va-t-on, Mme Julie, avec la culture, je vous demande. Oui, alors François Hollande faisait référence à Jack Lang, hein, Jack et Monique, Jack Lang, qui a été un très bon ministre de la culture, il faut le dire. Voilà, très bon ministre, Jack Lang, enfin on parle du même, hein, celui qui faisait la chenille chez Hanouna la semaine dernière. Ah, bah, écoutez, il a participé à l'émission, bah oui. Oui, il est venu chez moi, Jaco, il a été magnifique en quelele. On sent qu'il a des années de quelele derrière. Il a été formidable. J'embrasse. C'est bon, Cyril. Il est formidable, il est magnifique. On s'est régalé. Tout le monde se régale. Quand je parle, on se régale. Salut Cyril. Après le scandale Volkswagen, la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé dès cette semaine des contrôles aléatoires en France. Oui. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour. Oui, je le dis solennellement, française, français, n'ayez pas peur, maman va s'occuper de vos corbus. Hein, oui, monsieur Soutou, j'ai une potion pour les carbus et autres têtes d'Edelco. Ah bon ? On est dedans, c'est drôle, oui, ça. Oui. Enfin, écoutez, je vais vous faire une confidence, moi, Julie, car monsieur Soto, ce matin, Mme Roux, Mme Polony, monsieur Morandini, j'ai envie de m'ouvrir devant vous. Parfois, il m'arrive de regretter, oui, je le dis tout de go, de regretter de ne pas avoir été élue présidente de la République en 2007. J'ai une petite forme d'amertume, bah, parfois. Oui, bah, il y a de quoi. Hein, oui. Mais quand cela m'arrive, je vous rassure tout de suite, je me dis, mais Ségolène, si tu avais été élue présidente, tu serais passée à côté du poste de ministre de l'écologie. Hein? Tu serais passée à côté de toutes ces choses que tu aimes, comme les usines de retraitement de déchets, comme gérer les sacs plastiques, par les poubelles, m'occuper du diesel, des toilettes sèches, alors que François, lui, est en train de bouffer comme un malheureux avec Obama à New York. Bon, est-ce qu'il peut y avoir d'autres scandales à part Banque Volkswagen et tout ça? Oui, oui. Bah déjà, il y a un autre scandale, même, Julie. Un autre Lequel, scandale alors? Volkswagen. Ah bon, encore chez Volkswagen? Oui, le scandale de la Volkswagen Passat. Et pourquoi? La Passat. Elle pollue, la Passat? Ah non, mais elle est moche. C'est un scandale. Ah bon, d'accord. Bah, regardez, ok, merci Ségolène Royal. Non, oui. On accueille François Bayrou maintenant, qui serait de plus en plus tenté par la présidentielle de 2017. C'est vrai ça, monsieur Bayrou? Enfin. Alors, ma s'il vous plaît, madame Julie, oui. En 2002, j'ai été con. Et confronté à Jacques Chirac et à Lionel Jospin. Oui. Et j'ai perdu. Ben en 2007, j'ai été con. J'ai été confronté à Ségolène Royal et à Nicolas Sarkozy. Et j'ai perdu. En 2012, j'ai été con. Oui, on a compris, vous avez été confronté à Nicolas Sarkozy et François Hollande. Non, en 2012, j'ai été con. Tout court. J'ai appelé à voter, souvenez-vous, François Hollande. Faut vraiment être con. Alors, François Bayrou, ce week-end, vous avez rassemblé vos fidèles. Hein. C'était un succès, ce rassemblement ? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un cabaret? Non, un caleçon? Un cartable? Un carton. Ah, ça a fait un carton. Oui, ça a marché. Le merchandising a explosé. Tenez-vous bien, nous avons vendu 4 t-shirts, pas un de moins, 4 t-shirts orange Bayrou président. Nous avons vendu, oui, vous souriez, nous avons vendu 5 mugs orange Bayrou président. Par contre, là, je dois dire, au niveau des montres orange, zéro. Monsieur Soto qui peut acheter des montres orange. Ah, il n'y a que Thomas Soto. Bon, bah, écoutez, mais Thomas. Elle n'est pas politisée, ma montre. Non. Il n'y a pas le... C'était très drôle comme intervention, monsieur Soto. Merci, monsieur Bayrou. Je vous en prie. Allez, autre chose, la NASA l'a annoncé hier. Il y a de l'eau liquide sur Mars.
Oh, elle est pénible. Mais qu'est-ce que tu veux que tu en te foutes, hein, Julie, hein? Je pense que ça peut intéresser ton info, bah, moi, enfin, Juju. Non, mais écoutez, c'est une nouvelle spectaculaire, Gérard Depardieu. Jamais on aurait pu imaginer découvrir de l'eau dans un désert froid et rocailleux à des milliers de kilomètres. Oh, mais je me disais pareil au sujet de la Russie, tu sais. Et finalement, il y a de l'eau aussi. Mais je t'assure qu'on s'en tamponne de l'eau. Ça intéresse qui de boire de l'eau? Moi, prévenez-moi quand il y aura du vin, un pot-au-feu, un plateau fromage et le chariot de dessin. Ah, bah écoutez, ça fait rêver. Il y a peut-être de la vie sur Mars. Hein. Mais non, mais non. Ah bon. Mais non, la vie, c'est le vin. Hein, c'est les femmes et le cinéma. Hein, c'est pas trois bactéries qui se battent en duel dans un ruisseau sur une planète où on foutra jamais les pieds. Hein. Déjà que je me fous de l'écologie sur Terre, mais alors l'écologie sur Mars, hein. Si tu savais combien je m'en fous, t'aurais une idée de l'infini, ma Julie. Oh, oui. Oh, et le petit Nicolas Barré. Oui. Hein, il est où? Ah, tu es là. Oh, alors comme ça, hein, tu veux faire du cinéma, Nicolas. Hein. Oh, je te verrais bien jouer un hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Hein. Mais tu connais le secret. Faut coucher pour décrocher les rôles. Ouais, mais justement, c'est beaucoup pour ça que je me lance. Allez, viens mon hobby, je vais faire découvrir la grande famille du cinéma. Allez, oui, bon, bah, c'est bon. Merci Gérard Depardieu. Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain matin en direct à 8h40 pour la revue de presse.